C'est passé votre course mal. Ça s'est bien passé. Je crois qu'on est dans la même seconde, mais c'est pas encore sûr. Et ouais. Parce qu'il n'y a pas les résultats, donc on sait pas qui a gagné. On sait pas. On va aller vérifier. Sinon, le fart et la glisse, ça allait bien. Ouais, ça part à l'ombre. Voilà. Mais dans soleil, la descente. Au soleil, ça allait ouais, quoi. Grave. Après, il fallait bien pousser sur les bâtons. Hein. Voilà, chose que je n'ai pas fait et moi que aussi, tu as fait. Et en plus, ça s'est trompé de piste. Oui, mais ça, il faut pas le dire. Bah si, parce que je viens de le dire. Allez, voilà. Bah alors racontez-nous votre course. Oh bah c'était pas mal. Ça glissait bien. Ouais, c'était super le fart, bien. Le ça allait bien. La descente et tout. Ouais, c'était pas mal. Juste dans les virages. Ça. Dans le deuxième tour, le fart, enfin, ça était bien. En fait, ça allait bien toute la première partie et la deuxième partie, ça glissait pas du tout en fait. C'était ouais, au soleil quoi. Ouais, voilà. D'accord. Comment s'est passée ta course? Bien. C'est sympa. Moi, j'ai bien géré en plus. Pas parti trop vite. Je suis tout le long. J'ai fait un tour avec Emilien Jacquelin, puis Clément. J'espère que je pète le coach. La base. C'était bien. C'était bien. C'est de la course. Alors ma course, bah, j'ai pris le départ. Je suis un peu malade, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'ai dû choper froid. Du coup, voilà, non, bah j'étais. Après, il y avait Emilien, mon pote à moi, je voulais vraiment gagner. Bah, objectif réussi, je pense. Donc, c'était une piste sympa, relativement dure. Donc, on va être obligé de fêter ça. Et puis, je remercie tous mes sponsors, à commencer par le team Tipper. Qui me suivent tout au long de la saison, qui me soutiennent. Donc voilà, on va faire un petit peu. Durant la première moitié du premier tour, c'était plutôt bien. Ça, j'étais bien au niveau ski et tout. Puis je suis arrivé au bout du pré, là-bas au fond. J'étais carrément cramé. Et puis bah, j'ai fait avec la forme du jour. D'accord, bon bah c'est bien.
Olivier, comment ça s'est passé? Tu veux que je dise? Trop facile 21 pour moi. Trop facile? Il en faudrait plus. La glisse était bonne? La glisse super bonne au départ, super bon. Ah, et le vieux fait... même pas fatigué. Ah bah c'est encore plus, encore mieux. Bon, pas super, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'étais diesel tout le long. Ah. Enfin avec. Est-ce que la glisse était bonne? La glisse était bonne, mais à part que... La bande des 340 ans, c'était froid, c'était pas trop. Ah, dommage. Mais sur le retour, côté Valremais, c'était bien. Bon bah ça va alors. Très bien. Bon bah voilà, vas-y, raconte-nous ta course alors. Bah je suis parti assez fort à la Alexandre-Hérésia. Je suis parti avec Rémi n'a pas suivi et du coup bah je me suis envolé tout seul et j'ai géré mon effort, ça s'est super bien passé, avec des skis pas trop mal. Je me sentais vieux. Mais un point. Très bonne course. Bravo, Claire. D'accord. Merci. Et raconte-nous ta course. Comment ça eh s'est passé? Ça s'est pas trop mal passé. Je suis parti. J'aurais dû partir dans les 10. Je me suis fait enfermer au départ. Après, il a fallu que je suive. Et j'ai pris des fausses traces. Je suis tombé une ou deux fois. Ça m'a bien décalé sur la 10e place. Après, pour revenir sur le peloton de devant, c'était pratiquement impossible. D'accord, merci. Comment ça s'est passé ta course? C'est dur. Non, on l'a chié un peu. Hein. Premier tour, ça allait. Ouais, ouais. J'étais avec le groupe de tête, ouais. Nickel. Je suis tombé, du coup l'autre con il m'a pris de l'avance là. D'accord. Bon. Puis après quand t'as pas d'entraînement, bah tu finis, hein. Bah, tu te fais bien, hein. Tu finis en vitesse entraînement et un tour bien, puis après vitesse entraînement. T'as pas joué le jeu, je trouve. Hein. Je pouvais pas avancer, tu vois, c'était rien à donner. D'accord. Rien à donner. Dommage. Mais ouais, c'était cool quand même. Fait plaisir. Vive Breno. Ouais. Vive Breno. Et dur. Ah ouais, Johnny. Ouais. Bah. On fait une interview. Comment ça s'est passé? J'ai pris des fausses traces. Non, je suis pas tombé. Et ça s'est bien passé alors? Ouais, les conditions difficiles, mais. Ça va. D'accord. On a suivi le train, puis voilà. D'accord. Aya, raconte-nous ta course. Bah, c'était une bonne course. C'est froid, non? C'est froid? Oui, très froid. Tu t'en es sorti quand même? T'es arrivé? Oui. D'accord. Bon, bah, c'est bien alors. Derrière toi, puis comme ça je parce que je pourrais. C'est libre. Oui, oui. Bah c'est ce que je dis, parce qu'il va être devant, il va me prendre un tour. Yes. Et Olivier arrive le premier. Oui, donc c'est notre il va donner le départ à ton père. Le départ à Patrick. Merde, faut qu'on chute, non. Il va tomber, il va tomber. Attention. Et c'est parti, le départ de Patrick. On va du bas à sol, moi ça va me tuer déjà un tour. Allez, plus vite, maman. Et maintenant, le départ de Florence. Qui va faire dernière? VS Patrick. Comment ça a failli, hein? Alors, comment s'est passé, hein? Fred, comment ça s'est passé? Super bien. Super bien. Et Olivier? Super. Bon, belle course. C'est super. Moi aussi, ça s'est passé. Allez, Florence, allez, pousse. Nous attendons donc l'arrivée de Patrick Carrier. Donc le voici, il arrive. Allez, Florence, allez. Il va donner le relais à Romain Carrier, suivi de Florence Verdonnier qui va donner le relais à Nolan Charbonnin. Voilà, et c'est le relais et Romane qui part. Allez Florence, allez, remontez, hein. Donc là c'est maman, c'est allez, Florence c'est temps, c'est bon, qui va donner à Nolan. Ralentis un peu Nolan, ralentis un petit peu. Voilà. Allez Romane. Les rôles sont inversés pour la prochaine manche. Hey, Lizou, hey, on cravache, là, Lizou, hey. Hey, 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 ça passe, hein. Attention, c'est bon, en fait. Attention, Olivier. C'est bon. Attention, Olivier. Allez,
c'est l'arrivée de Frédéric Ancien qui est devant, suivi d'Olivier Gréot qui est juste derrière. Et ça se double et ça se double. Attention au virage, attention. Attention, ça passe, ça passe, ça passe. Attention. Attention, Fréjus fleur dans le cul, va tomber. Et c'est la victoire pour Fred. Et c'est parti pour Patrick Carrier et Florence Garboni. Donc Roman Carrier et Nolan Chervonin vont se préparer à prendre le relais. Donc voilà, nous allons un peu interviewer. Comment ça s'est passé cette deuxième manche? Dur, j'avais pas trouvé la place pour doubler. D'accord. Donc je suis resté derrière. Là, c'est pas tout comme ça. Et vous, monsieur Fred? Et vous? Là, faut être devant. Si c'est devant, normalement c'est bon. D'accord. Mais... Essoufflé à ce que je vois. Hein. C'est Patrick Carrier qui est justement devant. Roman va se préparer. Allez, Patrick, allez. Donc voilà. Allez, Roman, tu te bouges. Allez. Allez. C'est parti. Allez. Donc là, c'est Patrick. Allez, Florence, allez, Patrick, le virage, on y va. Allez, Florence, y est. Roman, allez, allez, allez. Et là, c'est Florence. C'est bon, c'est bon. Allez, c'est parti. Allez, Roman, allez. Allez, Nolan. Allez, Roman. Et voilà. Allez, Roman, jusqu'en haut, allez. On s'accroche, hein, même s'il double. Qui c'est qui filme? Allez, allez! Attention, elle est juste derrière, hein! C'est pas joué! Attention, elle va déboîter sur la gauche! Attaque bien le virage, attaque à fond là! Allez, allez! Elle est tombée! Allez, c'est là, la ligne, hein! Attaque, tu reviens! Eh bah écoute, 1, 2, 3, 4 secondes! Ça y est, pas beaucoup, hein!